dépêcher et pas tarder. Oui, parce que ça va commencer. Ça va commencer. Pascal LB. C'est Pascal LB. On vous adore, pardon, on vous dérange pas. On vous adore. Parce que vous êtes un acteur rare. Et mystérieux. C'est vrai. Ah, et qui ne se répand pas, qui bavarde pas tout le temps partout. Ah, ça compte. Autant que faire se peut. Bon, vous venez voir la pièce, là, ce soir? Oui, tout à fait. Oui. Ah, c'est avec une vedette. Ça, c'est des destins, ça. Ah, ça ouais. C'est... Vous faites quoi, là, en ce moment? Bah, là, je sors la saison 2 du Baron Noir. J'avais déjà adoré la saison 1 et vous y étiez formidable. Ah oui, super. Merci, merci. Super. Mais en même temps, j'y étais pas dans la saison. Ah, c'est ça. Je viens d'arriver, là. Vous avez aimé la 1? Ah, j'ai aimé la 1. Alors, vous allez adorer la 2. Ah, bah, je me réjouis. Vous voulez que je vous raconte un peu? Non, allez. Parce qu'on va regarder. Non, mais j'ai un peu de temps, je vais vous poser le décor. Si vous voulez, les cartes ont été complètement rebattues. D'accord. Ah, c'est vrai que la gauche est toujours là, mais maintenant, ce sera une femme qui sera. Bah oui, il y a eu les alliances qui ont été un peu bouleversées. Ah. Moi, je joue un personnage du centre-gauche qui va un peu bousculer les alliances. Très alors, vous allez demander pourquoi. Bon, qu'est-ce que je viens faire de particulier? Mais qu'est-ce que vous venez faire de particulier? Alors, justement, je vais incarner. Hein, faut pas, comme on dit, spolier. Non, justement. Je vais faire le Premier ministre. Je vais finir Premier ministre, c'est vrai, et je vais m'associer avec Doron II. Un amoungaliste. Et ce qui est dingue, c'est que les deux créateurs ne lâchent jamais. C'est-à-dire ces politiques, ils font jamais un peu de. Vous voyez, d'espèces de. Non, ils vont aller. On va prendre nos tickets. Exactement, mais alors justement, c'est pas uniquement sur le jeu politique, c'est par rapport au personnage. Allez-y. De la série. Et d'ailleurs, il y a une dernière chose. On regardera. Il y a une dernière chose, c'est que je pense que vous allez adorer, c'est que tous les personnages, sans exception, peuvent éventuellement, évidemment, prétendre à la course au pouvoir. Et c'est ça qui est fou. Là où on s'y attend, hop, on est à contre-pied. Je ne sais pas s'il est vivant, s'il est mort, alors évidemment, ça ouvre une saison 3. Voilà. Il y aura une saison 3. Il y aura une. Eh bien, on regardera. Mademoiselle, je vous en supplie. Merci. Bon, bah, bonne pièce. Merci. Au revoir, Pascal. Au plaisir. On sera au rendez-vous. Oui. Pardon. Oui, bah oui. Enfin, mon Dieu, la prise d'otage, mais Seigneur Dieu. Excusez-moi, en fait. Oui, pardon. Excusez-moi. Ma chérie, on est... Il y a monsieur. Pardon. Excusez-moi. On est séparés, c'est dommage. Hein. Allez-y, je vous en prie. Seigneur Dieu. Vous avez déjà vu la pièce? Non. Mais je vous pose le décor. Alors, c'est très simple. En fait, au début, on ne sait rien. Et ce qui est fou, c'est qu'à un moment donné, quand le personnage principal arrive, et ça, c'est un effet de surprise, mais énorme. Non, pardon. Mais si je peux me permettre. C'est la première fois que vous me dites.